Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons prendre nos bibles. Dans une voisine, la Bible dehors. Prenons nos bibles dans les téléphones ou bien avec les papiers. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui est la foi. Je pense que tout le monde comprend le français. Parce que je vais prêcher en français dans la Seigneur. Je pense que tout le monde comprend. Nous allons prendre nos bibles dans les livres des Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Notre thème, c'est la foi. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. En fait, nous allons étudier tout le chapitre 11 parce que ça concerne la foi. Mais nous allons commencer d'abord avec le verset 1 à 3. Amen. Nous allons voir qu'est-ce qu'est la foi parce que c'est très important. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Parce que nous croyons en Dieu parce que nous avons la foi. C'est ça même la croyance. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Je vais lire, lisons ensemble. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit, qu'on ne voit pas. Verset 2, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Verset 3, par la foi nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Amen. Amen. Nous allons étudier sur la foi, car la foi c'est le moteur même pour être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, tout le monde se fait sans embêté. La foi, c'est ça quoi? C'est la colo. Et ça, mais ma biseau, pour ça, bien se faire la biseau. Amen. Autre version, dans la Bible d'André Chouaki, parce que j'aime la Bible, c'est aussi important de lire la Bible dans les différentes versions. Amen. On a aussi autant des amis versions français courant. C'est la version la plus facile. Donc français courant, français mot facile. Amen. Dans la version André Chouaki, c'est la version oui, parce que André Chouaki a sali, en fait, ils ont pendu la Bible, on a traduit Bible. À partir de la texte originaux, c'est-à-dire à partir des hébreux et grec. Donc, je ne dis pas que pour envoyer la Bible, il faut avoir les hébreux et grec. Non, parce que le Saint-Esprit est là pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Mais c'est aussi important, comme c'est étudiant la Bible, c'est important aussi de lire d'autres versions, de faire une étude approfondie pour en comprendre la foi. Cette Bible définit la foi comme l'adhérence. L'adhérence, ou bien la foi, et la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Amen. 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 Amis, la foi, c'est l'adhérence. Je pense que l'adhérence, tout le monde comprend le mot adhérence. Adhérence, c'est-à-dire coadhérer. Coadhérer, c'est-à-dire, donc, on comprend le nom au Mogo. On va coadhérer la partie politique, on va coadhérer la situation au Mogo. Donc, c'est ça, en fait, la foi. Donc, la foi, c'est l'adhérence. C'est-à-dire que quand nous avons la foi en Dieu, nous adhérons à quelque chose. Nous entrons dans quelque chose. Nous nous engageons à quelque chose. Amen. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un moment pour marcher avec Dieu? Donc, c'est l'adhérence. Il est défini comme la substance de ce qui est espéré. C'est-à-dire, la substance, je vais expliquer le mot substance. Substance veut tout simplement dire. Et l'autre mot, comment? Matière, et l'autre mot, salami. C'est-à-dire que la matière, donc une chose est formée. Amen. C'est-à-dire, par exemple, un bijou, et ça dit substance, c'est ça, l'eau. Mais voilà, il y a l'eau, et ça par rapport à la matière, en amour. Amen. Parce que, différence de ça, entre bijou, il y a or, bijou, il y a
Par exemple, dans mon bijoux, pour ne pas parler d'un mot, et ça dit par rapport à or, par rapport à matière, on va se dire amen. Donc, la foi, c'est la substance, donc, ou bien une chose, c'est-à-dire que quand nous avons la foi en Dieu, quand nous adhérons à Dieu, nous croyons que Dieu est là par la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, la foi est une chose, c'est-à-dire que la chose que je vais définir, c'est la substance, c'est-à-dire que la matière, donc, une chose qui est formée. Maintenant, il faut tous se poser question. La foi autre en mot. Bien sûr, que ça est l'eau, c'est une substance. C'est une matière, donc une chose qui est formée. Mais il faut se poser la question. Foi autre en mot, et ça formé la matière à nous. Amen. Et ça formé la matière à nous. Parce que nous tous nous disons que la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la différence se situe au niveau, il y a qualité à foi autre en mot. Source pour le juste foi en fait. Donc, matière, oh, foi, dans les salariés, ça dit. Il y a un de redéterminer qualité, il y a foi dans les amen. Et vous qualifiez, en fait, matière, oh, foi dans les salariés. Et puis, tu vas continuer de substance dans la terre, et nous, on va être dessous. C'est-à-dire, et l'eau, pourquoi les amis, la serre et l'eau, en fait. Et l'eau, on s'en va, la serre et l'eau, c'est-à-dire que. Matière, oh, le bassin et l'eau, en fait, qualité, la mort, les amis, oh, ma qualité, en fait, c'est-à-dire que être dessous, donc, qualité et l'eau, en fait, les amis, mais en fait, la paix, exemple avec l'or, avec les bijoux, mais pardon, bijoux, non, c'est ça, les amis, amen. Il y a un bijou, aux amis, or, la mort, les amis, par exemple, il y a un couille, ou les amis, ça, et matière première. Mais, la foi est en substance, c'est à une chose, et ça lui formait la énorme mort quelconque. Il y en a l'obligé. Ta foi est formée de quoi? Ta foi est formée de quoi? Tout le monde a la foi ici. Je pense que nous sommes d'accord. Nous tous nous avons la foi. Amen. Mais le plus important, maintenant, vous allez remarquer que nous avons l'énorme mort. Nous adhérons à quelque chose. À la foi chrétienne. Nous sommes des chrétiens. La foi. Il y a la foi musulmane, la foi bouddhiste. Tout le monde a la foi en fait. Mais le plus important est que cette foi-là est formée de quoi? Et dans la matière, en fait, dans la substance, et là on dit des amis dans scène en mot en fait. Parce que c'est à partir de cette foi-là que nous nous mettons du collant et l'eau. Parce que quand nous nous mettons au-dessus de quelque chose, ce l'eau des amis, les amis solistes et recoupent. Amen. C'est pour cela que ça nous dit que là où on les amis bâtis en roque, les amis bâtis en pied à pied, et à solistes. Et vos poils, différemment avec une maison qui est construite par exemple dans la sable. Et dans la fondation, on est en capacité. Amen. Donc notre foi doit être basée dans le monde où est allée solide. Amen. Dans toute la question, nous venons, chacun va répondre à sa manière en fait. C'est bien mon mot. Je vais poser la question à tout le monde, à moi aussi. Notre foi est fondée de quoi? C'est à nous-mêmes de répondre en fait. Quand nous engageons, à la fondation à l'abondement. Mais il faut te poser la question, ta foi est basée de quoi? Est fondée de quoi? Que chacun réponde à la place à notre manière au maïe. Parce que la foi va aller où tu veux permettre que nous soyons continuer à nous, il y a au croire et l'eau au mot. Parce que sans la foi, on ne peut pas croire, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons l'église, tant qu'il y a l'église, ça va. Fondation est en fait foi. Donc l'eau au mot. Donc, quand nous venons au Rwanda, nous avons besoin de foi. Foi, ils ont besoin de monter au Mongo. Ils ont besoin d'essence. Ils ont même mis sur les locaux. Ils ont même mis sur quelque part. Amen. Nous allons continuer. Dans les versets 2, par exemple, et vraiment, les versets 2, nous allons concentrer l'issue avec moi parce que nous allons faire une étude approfondie par rapport à Hébreux chapitre 11. Parce que dans toute la Bible, c'est Hébreux chapitre 11 qui nous a appris sur la foi. Amen. Je pense que tout le monde a dit verset 1, chapitre 11. Hébreux 11. Verset 2, lisons ensemble. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Amen. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Dans ma version de Scholopie, c'est à cause de la foi que les grands personnages ont servi de témoignages. Amen. Parce que être un grand,
une grande personne, une histoire, par rapport à la Bible, ben, je sais comment par rapport à leur foi. Amen. Nous sommes dans ce que nous sommes des enfants d'Abraham, des fils d'Abraham. Pourquoi Abraham a été qualifié comme ami de Dieu, comme une grande personne, à travers l'histoire de la Bible? Parce qu'il a été identifié par la foi. Amen. Amen. Il a cru, il a fait confiance en Dieu par sa foi. Il a beau identifié qu'il a sali une grande personnage. Donc, un grand personnage du passé qui a été approuvé par Dieu. Donc, pour que Dieu t'approuve, pour que Dieu t'approuve, il faut que Dieu t'approuve. Il faut que Dieu t'approuve. Amen. Donc, la foi, Abraham, par exemple, comme c'est Abraham qui est notre père de la foi, il a accepté d'abandonner tout en fait, d'abandonner tout et de croire en Dieu. Amen. Amen. Toujours avec la définition de la foi, parce qu'avant qu'on revienne à la carte, c'est très important de définir ce que la foi, c'est très important. Parce que beaucoup de gens disent, toi, la foi, mais, la foi, c'est quoi le bâtiment? Là, on dit, mais qu'on dit, c'est une traduction, en fait, foi dans le français, et qu'on dit, c'est un animal. Mais nous allons un peu comprendre, en fait, l'origine du mot foi. Amen. Amen. La foi est un mot français, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le français est une langue qui vient d'une autre langue. Amen. Et où ça grec dans le latin. Et où ça grec dans le latin. Quand c'est le latin philo, voilà, pardon, c'est pour cela. Peut-être vous allez m'excuser pour. Donc, toi, étudier maintenant mon mot de foi pour nous comprendre en fait pourquoi nous croyons à quelque chose, pourquoi nous avons foi à quelque chose. Amen. Amen. La foi, dans la grecque, est par le mot pistis, et où tu as la radicale pistis qui veut dire lié, ou bien périto qui veut dire persuader. Amen. Donc, nous comprenons maintenant que avoir la foi, c'est être lié à quelque chose, ou bien être persuadé à quelque chose. Amen. Donc, nous sommes liés, nous sommes persuadés de l'homme au monde. Donc, on dit de l'homme au monde. Quand tu crois en Dieu, donc tu te lis directement en Dieu. Tu es lié dans les âmes, en fait. Et puis, tu es persuadé, c'est-à-dire que tu acceptes, en fait, même aveuglément. Donc, on divise ça de maman. C'était le cas même avec Abraham. Parce qu'Abraham a accepté directement, en fait. Donc, même si regarde le ciel, les étoiles, tout ça. Mais en fait, ça va pas n'importe quand même. Voilà quoi, comme étoile, colo, tout ça. Avant d'accepter directement, il s'est lié à cette alliance-là de Dieu. Il a été persuadé, donc un individu par la mort, ok, à s'engager ensemble. Donc avec les mains-mêmes. Donc un individu par la mort, parce qu'il a cru en Dieu. Continuons. La foi aussi, toujours en grec, ça se dit aussi pistos, qui veut dire loyal, digne de foi ou bien fidèle. Amen. Donc, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est dit d'être cru, c'est-à-dire qu'elle a dit que donne du maillé. Donc on dit que Dieu est fidèle, c'est-à-dire que Dieu est digne de foi. Dieu est digne d'être accepté en fait, d'être lié avec nous. Amen. La foi aussi en latin, ça fait des fidèles ou même foreurs, qui veut dire passe ou bien traité. C'est-à-dire que. Et ça, c'est un mariage nouveau. Il y a un contrat pour notre Seigneur en fait ensemble. Donc, quand nous avons la foi, donc nous signons un pacte avec Dieu, avec quelque chose. Parce que tout le monde n'a pas foi en Dieu. Il y a même les athées, tout ça. Mais nous, ici, ce qui nous concerne, c'est la foi en Dieu. Amen. Donc, nous signons un pacte, un traité avec Dieu. Donc, nous signons quelque chose en fait. Nous signons quelque chose avec Dieu. Mais nous allons comprendre. Hein, quand on signe un contrat ensemble, ils ont ensemble, ils ont signé un contrat. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne que parfois, ils ont constitué la ligne. Alors, un papier, on a tout signé en fait. Mais papier, on a en fait des amis. C'est ce que nous allons comprendre par rapport à cela. Et puis, mon fidélité qui est liée à la foi, l'anglais, par exemple, faithful, on va dire anglais, faithful, veut dire fidélité. C'est-à-dire, la faithful, donc on a fait, faith qui veut dire la foi, full est plein. Donc, mouton la fidèle, c'est qu'il est plein de foi. Donc, mouton à la fidèle, c'est-à-dire que, à la digne de confiance, dit-on que c'est une autre plein foi, on dit maïa en fait. C'est ça même la fidélité. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, en
en fait, il faut comprendre pourquoi, quand nous signons, que la foi est un pacte, un traité avec l'homme et Dieu, ça consiste à quoi en fait? Ce traité-là, ça consiste à quoi? Ce pacte-là, autre signé en fait. C'est même avec le mariage. Quand nous nous marions, nous signons de marier, quand on a commis, par exemple, le signera acte de mariage. Donc, on signe l'homme au moment où moi, c'est un mouvement, moi, c'est un âge, c'est un mouvement. Ce qu'on, le plus important, c'est que pas de soi, ils sont constitués dans l'île, en fait. Il y a vraiment besoin de lier par moi, en fait. Dans l'épreuve, mon foi, par Emouna. Emouna, oh, et Congo, Amen. Amen, en fait, qui veut dire ainsi soit-il. Donc, ils sont à la Congo. Amen, et Emouna, ce sont les mêmes lettres. Parce que dans le prêt, bah, comment? Ils arrivent à la consonne, en fait, que vous voyez, et ça, donc, c'est la même. C'est la même langue, c'est la même signification. C'est-à-dire que quand nous disons Amen à nos prières, c'est-à-dire que tout ça, que ainsi soit-il, est à la Congo. C'est la vérité en fait. C'est pour ça que vous allez voir en Apocalypse. Je vais dire ça vite dans Apocalypse chapitre 19, je pense. Apocalypse chapitre 19, parce que nous avons dit un instant, je vais chercher le verset. Voilà. Apocalypse chapitre 19, verset 11, vous venez avec moi. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et un cheval blanc apparu, celui qui le mort s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. Amen. Donc vous voyez ici que j'entends à son monde, à mon Nicolo, et le bon apparaître pour moi, à mon et que là, nous pouvons être morts à partir d'un cheval blanc. Nous tous, nous savons que c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui est mort s'appelle fidèle et véritable. Amen. Amen. Donc, nous avons compris que quand nous parlons de la fidélité, ça fait référence directement à la foi, à l'abonnement en fait. Cette personne-là qui montait dans le collège à cheval blanc, il s'appelait fidèle et véritable. Amen. Parce que fidèle veut dire aussi la foi, et véritable, c'est-à-dire la vérité. Donc, quand nous prions, nous disons, pour ça que nous avons dit Amen. Amen, on a fait dire ainsi soit-il. Donc, c'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a une prière, il y en a un lot comme on peut en fait. Il y a un lot comme on. Parce que quand tu pries, on doit prier en fonction d'un ligne. Tu pries en fonction de quoi? Parce que ta prière, elle peut dire que, ceux qui ont dit le matin, mais tes prières, elles ont sa combinaison. En fait, les gens ont aussi une ensemble. Pourquoi? Parce que, quand tu pries, aux actes seulement l'ensemble, prière le faut la base, la parole de l'ensemble, la parole du Christ. Amen. C'est pour cela que Dieu est né dans sa parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est manifestée en Jésus-Christ. C'est pour cela que pas de fois que signalawana, tant qu'on s'est lié l'ensemble, c'est la parole de Dieu qui est Christ. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on dit que la foi qui est de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole du Christ, c'est-à-dire que, mais on se voit que tout le monde a la foi, même les athées, vous dites que ça va vous dire. Pourquoi? Parce que quand on sait les noms au mot, sous-bassement, c'est-à-dire, et l'homme, c'est un scène en mot, en fait, les amis, qu'on dit, mais il y a un autre objet, en fait. Mais on les a considérés plus sur les plus importants, les amis, parole de Dieu, la parole du Christ. Et on nous a traité, quand on a signé, en fait, traité, on a dit, on a défini, une foi, on Et puis, donc, Christ, c'est le pont, en fait, pour la volée, à faire un salut. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Donc, nous avons compris que quand nous prions, nous disons à la fin Amen, c'est-à-dire que est à la Congo. Parfois, on fait des choses, par exemple, le diplôme Amen pour le Saint-Père, bien sûr. Mais, et là, c'est une façon où on va casser dans le monde spirituel. Quand tu dis Amen, c'est-à-dire qu'on lie prier à Naïo, c'est-à-dire que Amen, non inconsciemment. Mais le plus important est que quand nous faisons des choses, il faut que la conscience soit là. C'est pour cela que la foi commence d'abord par la croyance. Au sein du banal, la croyance.
Et puis, sous la main, il faut donner comme la connaissance. Parce que croyance, peut-être en choquant à te mêler, nous sommes dans la croyance, mais croyance, c'est un peu la bonne amitié dans nous. C'est-à-dire que quand tu crois en quelque chose, on croit en aveuglement. Donc, on est mis de prendre son corps en amour. Mais quand on se croit en amour, si on croit en la connaissance, c'est l'autre. Voilà. Croyance, c'est ça pour la bonne amitié, et puis connaissance, c'est ça pour la micro. Tout le monde passe par là, en fait. Ceux qui m'ont abonné, avant la mille qui a son collant pour la tirer, on prend une nourriture solide. Connaissance, il y a une autre bonne amie. Amen. Donc c'est très important. Quand nous prions, il faut que nous ayons la connaissance de Dieu. Voyons, et ça, c'est un processus, c'est un cheminement au vivant. Donc on a la croyance, c'est ça, c'est un mot. C'est juste un passage sur les sommes de ma puce, d'un point A jusqu'à point C, si je peux le dire ainsi, pour aboutir à la connaissance. Derrière, même sur le temps, dans Jean chapitre 17, verset 3, là maintenant, on voit la caractéristique de la foi, c'est-à-dire que l'honneur est abondamment. L'honneur est abondamment, en fait. Nous allons dire là, dans Jean chapitre 17, verset 3, je vais lire Jean chapitre 17, verset 3. Dans Jean chapitre 3, verset 17, verset 3, pardon. Ici, c'est la prière, c'est la prière sacerdotale, c'est-à-dire que ici, Jésus prie pour ses disciples. En fait, ici, Jésus-Christ était prêt pour aller, pour en revenir. Mais c'était important pour qu'il prie pour ses disciples. Dans une version, Jésus prie pour ses disciples. Dans la version, c'est la prière sacerdotale. C'est-à-dire que le sacerdotal, c'est-à-dire les sacerdotes. C'est-à-dire qu'on a un ensemble. Christ est qui était souverain sacrificateur. C'est encore le Melchisédèque. Donc, il avait le pouvoir à prier pour ses disciples. Donc, c'est-à-dire qu'à prier pour ses disciples, bien sûr, les saints et comment les certains disciples, ils nous apportent. Et puis, nous aussi, pour faire tous les chapitres 17, nous sommes nous conseillés la case. Alors, prier à l'objet, bah, on peut avoir dit, mais là, il y a à travers mes disciples, mais si on a un on a eu battu la parole, on a eu la mobilité, mais bon, bah, on a eu l'objet. Jean, chapitre 17, verset 3, par l'objet, la mission. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. 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 Donc nous avons compris que quand je parle de la connaissance de la parole de Dieu, en commençant par la croyance, parce que vous voyez pas dire ça d'abord au livre. Il faut qu'on dit le voilà pour après au lieu maintenant après. Amen. Donc tu peux au moins dire le moins ça on nous t'appelle au lieu à ton million parce que moi, je suis un dimanche. Si on dit moi, on dit qu'on dit qu'on dit dans le bas, dans le dimanche. Donc, nous, sous ces affaires de ça, on a un dimanche parce que, par l'amitié, par sa voix, c'est même, je dis que ça doit être le roi de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Donc, nous acceptons Christ avec les manettes, après un dimanche, une salle, parce que quitté et tout ça dans le dimanche. Mais le plus important, c'est que tout ce qu'on a, tout ce qu'on a la croyance, il faut nous combattre la connaissance. Connaissance, c'est le savoir, c'est-à-dire que connaissance, encore une fois, la salle à la terre, il y a un peu de temps. Si on a la connaissance, si on a la case, il faut avoir le bas avec la naissance. Donc, on peut amener l'homme au monde au bout. Donc, la connaissance, c'est qu'on peut amener l'homme au monde au bout. C'est-à-dire qu'on sera un avec une chose là. C'est pour ça que vous allez voir même la Bible, comme la Bible dit dans Genèse, Adam a connu Ève. C'est-à-dire que ma salle à Ève, il faut comprendre. C'est-à-dire que ma connu mon corps. Donc, par combien de mots en fait, donc ça avec la connaissance, le plus important est que ça soit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, les véritables, tu es à connaître Jésus-Christ et que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est-à-dire que la vie éternelle, bon, il y a zéro, et ça, là, nous t'es ce qui te confie, qui est au moment dans le monde, non, c'est pas ça. La vie éternelle commence d'abord ici, sur terre. C'est ça qui est le plus important. Parce que, la vie éternelle, après notre mort, bien sûr, ton paradis, tout cela, oui. Mais le plus important est que ton ordinateur nous couvre pour nous qu'il a paradis, non, parce que nous vivons encore sur la terre. Donc, la vie éternelle consiste à te connaître. Donc, vous voyez, les gens ensemble, les gens ont l'air pour me laisser beau. Amen. Donc, quand tu connais Dieu, tu as déjà la vie éternelle. Dieu est sûr avoir la vie éternelle. Donc, à ta vie, il y a un mot, on va dire, parce que la relation avec la mort est un gain. Et là, on va dire, on va pas en avoir du parce que. Christ est même à l'objet, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc,
La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ, c'est que Dieu a envoyé. Amen. Donc nous comprenons que pour connaître Dieu, le plus important est de connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Au commencement, la parole est avec Dieu. Et Dieu était. Et Dieu voilà, était sa parole. La parole s'est fait chère en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui était, quand il était venu, il a été rempli 100% de l'homme, 100% homme, 100% Dieu. Donc toute la divinité, on ne sait même pas ce qu'il y a. C'est pour ça que vous allez comprendre que beaucoup de personnes, par les gens, sont les musulmans, sont alimentés que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour vivre en haut. Donc, et là, on va comprendre dans votre courrier, oui, Jésus-Christ était prophète, mais c'est oui, bien sûr. Il était prophète, oui, on va comprendre maintenant, mais bien sûr. Mais au-delà de tout ça, on s'amène à eux, on va voir la réalité. Parce qu'il a vaincu le mort. Voici ça qui est le plus important. Donc, on s'amène, il faut avoir la révélation du Saint-Esprit. Même celui qui aurait décidé d'un musulman, a été tout ça. Attends, comment? Attends, on discute jour, mois, année, mois, on dit, parce qu'ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous continuons ici, nous parlons des caractéristiques de la force. C'est-à-dire que l'honneur, tant qu'on a un divan, l'honneur est un ennemi. Premier point, nous suivons que la foi nous met d'abord en relation avec un monde inconnu, infini. Vaste pour nous, mais connu de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que, donc, cet exemple, il y a Abraham. Quand Abraham s'est engagé avec Dieu, à ses billets, l'ensemble de l'autre, la foi, la grecque, ou billet personnel, en lui, en fait, l'ensemble de l'autre, l'ensemble, en fait, il s'est engagé à moi, tout le monde est connu, à l'autre, en fait. Vous savez, c'est à Kende, dans la Kisayo, tout ça, parce qu'il y a un billet qui a vraiment Kende. Donc, quand nous nous engageons dans la foi, en fait, donc, quand tu as une relation, moi, tu m'as connu pour la question, mais connu de Dieu, parce que tu y es mis en fait. Parce que même au départ, on est autour de la la foi est une ferme assurance de ce que nous espérons et la démonstration de ce que nous ne voulons pas encore. Pourquoi? Parce que, et là, on doit espérer, et ça est dans des gens, même si nous sommes dans la monde. Mais si quoi, autant égoïste, nous autour de la question, c'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. J'en fais cet exemple pour que je me fasse comprendre. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais une preuve de ce qui n'est pas visible. Amen. La foi est une réalité. La foi n'est pas une illusion. La foi est une réalité. Pourquoi? Parce que Christ est même à l'origine. Avant même au sein de la vie, il y a des choses. Pourquoi? Parce que Christ est le sens de nos cœurs. Il y a des apôtres dans la mission en fait. Donc, on a besoin de nous faire des apôtres déjà. Mais c'est dans le monde spirituel. Mais le plus important maintenant, il faut aller à ce qu'on attend. On va venir à l'essence là en fait. C'est pour cela. Nous sommes toujours fermes dans mon imawana parce que nous espérons et nous sommes en amouté. Mais tant que vous voyez, ton monde est aussi connu dans l'animal qui m'en a mis. Au monde est aussi beau et c'est manifesté si beau. Dans cet exemple, pour me faire comprendre, par exemple, une femme enceinte, maman va comprendre où nous sommes là. Moi, je suis dans la série en fait. Dans aussi quoi par rapport à foi. En fait, une femme enceinte, elle a la ferme assurance, elle a l'espérer. Moi, j'ai un beau, j'ai 9 mois à Oya. Elle a la ferme assurance. Il y a un aspect que moi, j'ai un beau dans 9 mois. Mais c'est quoi? Moi, j'ai un visible. Mais elle a déjà visible dans le monde spirituel. Moi, j'ai déjà. Maman, j'ai espéré qu'elle a la ferme assurance. Elle a un beau dans le monde à moi. Mais c'est quoi? Et nous, parce qu'on démonstration, pourquoi? Quand on dit démonstration, une ferme assurance de ce que nous espérons, et la démonstration de ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que tant que moi, j'ai un beau dans ma vie, on se fait démonstration en fait. Donc, à se démonter à mon ami, moi à mon ami en fait. Donc, et donc, voilà, moi, on a même dit, après moi, ça l'a dit déjà, et mon ami, c'est moi en fait. C'est pour ça qu'on peut comprendre avec la foi. Pourquoi? Parce que, et là, après, on est comment délité, bien sûr, dans 9 mois. Exactement aussi, avec nous, en fait, quand nous nous engageons dans la foi, bien sûr, délité, et son frère, c'est mon connu. Mais c'est pour ça que toi, on est vivant. Parce que celui qui a évité mon connu de Roya, c'est la volonté en fait. Parce que la foi est autre chose. Elles ont gardé tout ça en fait dans l'Iwana. Donc, on va dire que quand on va dire en fait, c'est ça même le but en fait. Vous voyez? Donc, nous continuons. Toujours dans la caractéristique de la volonté de la volonté. La foi nous ouvre l'accès au monde invisible et spirituel où on commence à nous nourrir, à renforcer, à respirer. La foi nous ouvre les chemins de nouvelles connaissances. Amen. Amen.
La foi nous ouvre l'accès au monde invisible. Parce que quand nous aurons la foi, nous entrons dans le monde invisible. Parce que Dieu est esprit. Donc ça nous a dit, non, nous avons besoin de connaître, non, nous avons besoin de sur le point d'examiner. Parce que ça, déjà. Donc on dit, mais non, on a fait, nous croyons. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. C'est pour ça que nous croyons. Donc, la foi aussi nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Et avec que, au départ, ton imam d'abord, nous avons cru. Pourquoi? Non, on dit maintenant, je crois en Dieu. Mais aujourd'hui, parce que la croyance, c'est d'abord la balle indiquée. L'indimine, l'indimine, sauf que nous, l'indiquée, aujourd'hui, ma foi, parce que l'indimine, parce que l'indimine, l'indimine. Mais, il faut donc quitter ce stade-là pour au courant de vous avez vers la connaissance, parce que la connaissance, c'est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est la vie, au moins, il y a ces points, frère. C'est cette assurance-là en nous, parce que quand on couvre, ils en ont juste un passage, là, il y a un fait. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, qu'on couvre, ils en ont, et la fraternité, c'est le moins, on va rater, en fait. Vous voyez, parce que vous voyez, on est, voilà. Mais le plus important est que nous connaissons Dieu, pour les amis, en fait, nous, la mission, quand on revient, nous, la trophane, là, ce qui est la vie éternelle, qui est basée sur la connaissance, qui est la foi. Amen. Bien, aux autres, Jean, je te disais, verset 3, donc, on croit d'abord et puis après, nous connaissons, au lieu, en fait, faire un avec Dieu. Amen. Amen. C'est une foi fondée sur une vraie connaissance, devient inébranlable, c'est-à-dire qu'il est pour camarader, il est inébranlable, en fait, c'est pour camarader. Et elle nous permet de poursuivre notre chemin grâce à la parole du Christ. Amen. Nous sommes là, ok. La définition d'une foi, la vie de la foi, c'est aussi pas tous les traités, nous devons signer ensemble. Donc, quand on a la parole de Dieu, pour la Bible, la Bible, bien sûr, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que quand nous prions, nous nous basons dans la Bible et nous prions sur la Bible. Parce que Dieu est dans sa parole. Parce que si on prie en dehors de la Bible, tout le monde est censé sauter. C'est pour ça que nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Pour voir la mission est bien fondée. Et puis Dieu a exaucé la mission. Parce que la Bible est le corps à la loi, à la principe. Il y a la constitution, il y a la loi en fait. Donc tout doit se faire selon les lois et les principes. Parce que Dieu est à la carte de la principe naïve. Il est environ la principe naïve. Amen. Donc c'est pour cela que nous avons intérêt à comprendre, à connaître même la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est qui est la Bible. Amen. Amen. Après avoir compris les descriptions caractéristiques par le Seigneur, maintenant nous allons voir ce qui est important pour nous, les héros de la foi. Les héros de la foi, c'est-à-dire que donc tout à l'heure, dans le verset 2, pré-11, par lui, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Amen. Donc les grands personnages du passé, au moins, les héros de la foi. Batoumolo, à travers la Bible, à travers le passé, ont été grands dans le sur ensemble. Aux grands, dans le sur ensemble, les athées, au sein de la Sine, aux anges de mort, au sein non. C'est la foi en fait qui nous fait grand devant Dieu. Amen. Parce que quand nous mettons notre foi en Dieu, nous faisons ça de confiance. Et puis nous sommes plaisir à Dieu. C'est ça en fait le plus important. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Parce que quand tu t'approches de Dieu, on croit en Dieu, tu vois, ça le jour au moment de parce que tu t'approches de Dieu parce que tu crois en Dieu, il est là. En fait. Tu peux faire un avec lui. Donc tu peux te marier avec lui. Pourquoi? C'est pour ça même que Christ est appelé époux. Donc on va dire que nous sommes le corps de Christ et l'épouse. Donc nous sommes liés par le mariage. Mariage, là, ils ont la parole du Christ. Pour être au la Bible en fait. Donc nous sommes liés avec lui. Donc c'est lui qui nous donne sa sémence, c'est-à-dire qu'il a accepté son parole naïve. Et puis nous sommes acceptés en gros. Donc nous sommes mariés en fait, nous sommes liés grâce à un pacte qui est à travers notre foi, quand nous sommes à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Amen, amen, amen. Premier héros de la foi, nous serons, nous continuons dans l'Épître 11, verset 4, hein, c'est Abel. Abel, en fait, comment on connaît Abel? Je vais lire plus vite dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 4, pour qu'on comprenne pourquoi Abel a été un grand personnage, pourquoi Abel a été appelé par Dieu à travers la foi. Genèse chapitre 4, verset 3 à 4, Dieu va nous l'histoire à Abel. Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. Abel fut berger et Caïn cultivateur.
Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Verset 4. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, donc il offrit au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur accueillit favorablement Abel de son offrande. Amen. 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 Premier héros de la foi, c'est Abel. Ils sont Abel que nous sommes sur la terre. À la vie, il y a Adam et Ève. En fait, vous avez ma part, ça y est, il y a un Caïn. Caïn avec un cultivateur, c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur dans le tabulaire. Et puis, Abel avec un péager, un grand mot pour la banane, tout ça. Si quoi, Nathan a offert, Basaki. Comment? Basaki, il faut se faire un salut. Donc, moi, ma paix, c'est offert, il y a un lama, cultivateur, la fouille de la terre, l'eau, 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 Abel a perçu ma foule, comment a perçu ma mouton, c'est-à-dire que ma mère, les animaux, la zame, la fête, on dirait une zame, l'eau, on y a madame, les prénémés, il y a ma troupeau, là. Zame a créé un divinité, il y a la paix. Pourquoi un divinité, il y a la paix? Parce que, sur le pays, on va ordre des choses, dans ce cas, la foi aussi, c'est un problème, c'est ça, c'est la révélation. Parce que les animaux, par rapport à la plante, il y a un bazar plus évolué par rapport à la plante. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Parce que, selon l'ordre de la nature, il y a d'abord les minéraux, c'est-à-dire que ma marre, les pierres, les plantes, les animaux, puis nous. Donc, évolution avec les arbres. Avec par la révélation, il a abaissé en fait, ma troupeau là en fait. Après, ça fait Banyama. Qui est même la révélation du Christ après, en fait. Parce que l'agneau, tout ça, tout ça, tout ça. Avec la révélation, cette révélation-là, les gens. Vous voyez, parce que tous les chrétiens les témoins de l'Église, l'Ancien Testament, tout ça, ils ont fait papa, ils ont fait les ombres et l'eau, il y a Christ qui a tout accompli par cela. Vous voyez, donc, Abel a perçu la niame en fait, et puis Caïn a perçu la Milana, l'eau, la fruit, tout ça. Mais moi, j'ai dit, il y a le pain de sang de Esaïe, la niame en fait. Parce que nous sommes que par la révélation, la niame va avoir plus la valeur que ma place en fait. Et le sang. Amen. Voilà. Et puis, ce qui nous. La foi nous conduit à offrir ou à donner, à se sacrifier en fait, à rendre à Dieu un culte. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont plus de mots, tout le monde a besoin de plus. Il y a Abel a perçu en fait. Abel a perçu, non, dans mon discours, Bible le dit. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau. Donc il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Donc, on a ce qu'on a dit, mais le plus important, les amis, il y a mon tuyau aux autres, c'est-à-dire que Yomo Kona. C'est pour ça que vous savez voir même que Jésus-Christ est en train de faire, moi, soit après ce qu'il y a dans ma vie, comment après la pièce, il n'y a pas de mémorité. Jésus-Christ a dit que moi, je suis après ce qu'il y a dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'après moi, l'intention, comment, il y a sainteté, il y a plus. Donc, on ne sait pas comment on a fait ça qu'il y a en face. Donc, on a mon tuyau, c'est ce qu'on a en face. Mais maintenant, en nous concernant, quand nous croyons en Dieu, quand nous avons la foi en Dieu, quand nous connaissons Dieu, nous nous offrons nous-mêmes. Donc, il pèse à la vie sur nos mots, en fait. Dans la foi, nous connaissons à nous donner. Quand même, nous avons la foi, la vie pèse à nous, c'est pas un âme, en fait. Donc, nous avons mon tour. Pour lui pèse à nous, c'est un culte qui est symbolisé par les sacrifices Christ, qui est en fait la croix, c'est l'adoration des adorations. C'est la foi des fois. Christ s'est donné, en fait, à la croix. Nous sommes faisons un exemple. Deuxième héros de la foi, c'est Enoch. Enoch, nous avons continué. Enoch, nous sommes dans le verset 5, toujours un peu, je crois que 11. Mais ce sont par la foi, c'est toujours par la foi. Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne n'a pu le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Mais Jésus déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait cru à Dieu. Amen. Verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire
que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, on va avoir l'exemple avec Enoch. Donc, quand nous avons la foi, nous plaisons pour ce que ça nous a dit. Exemple, c'est Enoch en fait. Parce que quand nous lisons la Bible, Enoch, c'est la foi au total dans la Bible. Tout l'ancien testament, tout le monde, David, Samson, trois années, en fait, image à Christ. Amen. Image à Christ, parce que Christ est à la porte de la Bible, tout est accompli, tout et toute la parole, et témoigné. Donc, tous ces héros de la foi, tous ces héros de la foi là, c'est Christ en fait. Ok, pour la seule que Christ est en nous. Amen. Amen. Donc on peut s'identifier à Enoch, à Adèle, à Noé, à Abraham. En fait, les histoires de la Bible sont à toi en fait. Qui se réalise en Christ. Christ en fait a nommé vraiment nous. Donc a synthétisé vraiment nous en fait. Et puis Christ est là, est en nous. Amen. C'est pour cela que quand nous lisons la Bible, il faut donner l'intérêt à la Bible en fait. Donc on a l'histoire à David, on a l'histoire à. Il y a Samson, il y a Samson, il y a Samson. Il faut donc voir les bons côtés à maman pour voir ce qu'il y a en fait. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va être parfaité. Il va être tranché avec un homme, bien sûr. D'après, même à sa qui m'a tué avec un sang, tout ça, tout ça. Mais il était l'homme selon les cœurs de Dieu. Parce que Dieu voit au-delà, en fait. C'est par sa grâce, voilà. Mais vous voyez, c'est ce qui est important pour nous. Amen. Donc nous comprenons par maintenant que quand nous avons foi en Dieu, nous plaisons Dieu, en fait. Donc on ne peut pas perdre à Dieu sans la foi. Amen. Pour cet héros de la foi, c'est Noé. Nous continuons, c'est verset 7. Par la foi, Noé écoutait les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille, ainsi qu'on en a les morts et obtint grâce à sa foi que Dieu les considère comme juste. Amen. Donc, par Noé, en fait, comment Noé fait lui la grâce. Donc, c'est-à-dire que, dans le cas de Noé, quand nous avons la foi en Dieu, la foi nous apprend à obéir, à l'obéissance. C'est pour cela qu'on dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même pour se sacrifier, même, il faut d'abord obéir. Il faut d'abord obéir. C'est pour cela que Christ, il s'est sacrifié à lui parce qu'il a obéi. Nous savons que c'est un temps qui dit à tous et à Yoki. L'obéissance, c'est quand aux Yoka, tu obéis directement et puis tu pratiques. Parce que l'obéissance doit s'accompagner avec la pratique, avec le salon en fait. C'est pour cela que tout le monde a fait avec Noé, que quand il a obéi à Dieu, au sein, arche, tout ça, pour aller comment, à se préserver la déluge, il a obéi à Dieu. Il a écouté, il a obéi à Dieu, et puis il a pratiqué en fait, a construit arche pour sauver l'humanité. Amen. Donc, la foi avec Noé nous apprend à obéir à Dieu et puis à mettre. C'est là en pratique, c'est-à-dire à obéir la parole de Dieu. D'obéir à la Bible, non seulement que traiter notre Seigneur ensemble, c'est la parole de Dieu qui est ce qui est maintenu par Christ, qui est avec la Bible. Amen. Quand quelqu'un héros de la foi, c'est Abraham. Abraham qui a fait le père de la foi, c'est notre père en fait. C'est par Abraham que Christ a haï en fait. Christ a aussi par Abraham. Abraham a aussi Isaac, Jacob a baliné à tous ses descendants. Christ a béni. Donc, avec Abraham dans le verset 8, soyez toujours avec moi. Verset 8, par la foi, c'est toujours avec la foi. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Voyez, il partit sans savoir où il allait. Donc la foi, et là, la foi, il va avoir une bombe. Donc, quand tu crois en Dieu, donc tu es comme un fou béni fort. Parce que, on sait ce que l'homme au monde. Mais quand on s'en là, on va parvenir à la connaissance. Parce que c'est la connaissance. Donc on aurait parce qu'on s'en en fait. C'est pour ça que vous allez voir avec Job. Job a lui dit, maintenant, il y a tout ça. Mais maintenant, mon œil est à lui. Dans mon lieu aussi pour l'homme. Nous avons maintenant l'homme en train de bien sûr. Peut-être qu'il n'y a pas que menacé quoi. Mais quand il s'est révélé à moi, mon œil est à lui. C'est-à-dire qu'elle voit la seule parole des amis, est spirituel. Vous voyez, c'est l'œil spirituel en fait. Parce que Christ voulait, oh, bien sûr, un homme en Zambé, ma mère, c'est un homme en Zambé. Mais quand il a compris Dieu dans cette dimension spirituelle, son œil a vu, donc l'œil spirituel est pour moi, mais en fait. Ça comprend immédiatement que, aux arrêts qui vont en fait, tu es là pour me sauver, mon élanteur, c'est l'œil qui est pour me sauver. Vous voyez, donc c'est aussi l'état avec Abraham. C'est pour ça qu'il s'est attaché à Dieu. Et puis, Abraham, toujours continuons, toujours dans les versets 9. Par la foi, il vécut comme un étranger dans les pays que Dieu lui a fait promis.
il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la promesse de Dieu, car Abraham attendait la cité qui a les solides fondations. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. 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 En fait, la foi entre le paquet, but c'est à côté de nous, on a dit, ils allaient l'eau, ils allaient paradis, ils allaient vie éternelle, ils allaient la cité céleste. Mais cette vie éternelle, voilà, tu as dit beaucoup de fois, on peut trop pas que non. Nous l'accueillons d'abord par la connaissance de Dieu, non, parce que la vie éternelle consiste selon Jean 17:3 à la connaissance de Dieu et à la connaissance de Christ. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu sans connaître Christ. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, avant de remonter à verset 13 à 16, ce que l'on dit après, on s'en est à la cagier, qui est dans le sang, dans le coyot, comme un père, avant maman est en train de faire. La foi par foi, quand on connaît les choses, et c'est réalisé par une part, peut-être avant qu'on ait pu s'en faire. C'est le cas avec Abraham. Mais c'est réalisé après, parce que c'était la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais ça s'est accompli après. Mais Abraham espérait l'objectif des siens. Et comment? La partie céleste, en fait. C'est ça la raison même qui est alors croire en ensemble. C'est aussi la raison quand on faut croire en ensemble, en fait. Même si donc, les promesses de Dieu se réalisent, mais c'est pour ça que nous attachons à Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons continuer, je cours derrière le temps. Les versets, dans les versets, ici nous avons lu dans les versets, 9 jusqu'à 11, nous voyons aussi le cas d'Isaac et de Jacob. Jacob qui est Israël, dans les versets 20, on nous dit ici, par la foi, Isaac donna à Jacob et à Esaü une bénédiction qui s'est apportée à l'air à venir. Amen. Parce que comment Isaac a béni ses enfants. C'est pour ça que je dis aussi aux parents que la foi nous donne aussi le pouvoir de bénir nos enfants. Amen. De bénir aussi nos proches. Donc, foi est déjà sur la place de moment parce que Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des prêtres et des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des prêtres. N'ayez à sa vie, n'ayez plus sur nos amis. Amen. Parce que il est le supérieur sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Parce que Melchisédek était le roi et prêtre. Voyez. Donc, si Christ est un roi, et comment est-ce que vous avez un sacrificateur et grand frère, et selon le Melchisédek, nous, qui sommes les autorités de Christ, nous sommes aussi de l'homme de Melchisédek, parce que Melchisédek, c'est Christ lui-même. C'est le roi et le prêtre. Donc, la foi, ça nous donne le pouvoir, comme Isaac l'a fait à comment? À Esaü et Jacob, à les bénir. C'est le pouvoir, en fait. Donc, les parents ont le pouvoir de bénir leurs enfants. Amen. Donc, les parents ont le pouvoir de bénir leurs enfants. Parce que, vous les avez bien dans mon pilote de salut, il y a des bien et des mal. Les gens qui maudit les gens et les gens qui bénissent les gens. Donc, tu as la guerre au spirituel de salut. Or, que Dieu nous a donné ce pouvoir-là, à l'état des rois, des prêtres, comme Jésus, de bénir aussi nos enfants, comme Isaac l'a fait avec Jacob et Esaü. Amen. Amen. Nous allons continuer. Les versets, à partir du verset 29 jusqu'à verset 40, je vais synthétiser, parce que nous avons pris encore beaucoup de temps. On nous dit ici, la foi nous permet de passer les difficultés, les obstacles, les prisons, les murailles, les hôtels. Amen. Alors, dans un cas, il y a Gédéon. Dans Gédéon, nous avons dit dans Juges, chapitre 6, verset 26. Parce que, ici, on parle de Gédéon, si nous disons dans les versets 32, que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, tout cela. Ici, nous devons comprendre que quand nous avons la foi, ça nous permet de passer les difficultés. Parce que tous ces personnages, comme David, après ça, Goliath, par Samuel, tout cela. Donc, il faut que toi et moi, nous soucions que avoir la foi, et ça, parce que notre foi aussi doit être approuvée. Donc, après, c'est-à-dire qu'il faut y mettre à ma paix, en fait. Pour toi, pour les parents, ils ont élevé le mot solide, en fait. Vous voyez? C'est pour cela que vous allez voir que tous ces héros de la foi, en fait, entre autres, Gédéon, David, tout cela, vous allez dans l'adversité, dans le tourment, en fait. Donc, au même moment, la personne va vous demander, c'est impossible, en fait. Donc, au même moment, il faut vous demander, vous gagnez, c'est ça. Avoir la confiance, en fait, avoir la foi en soi, la foi en soi. Nous allons le voir après quand nous aurons compris. Donc, dans la Gédéon, nous allons lire Juge, chapitre 6. Verset 26.
Juge, Juge 6, verset 26. Juge chapitre 6, verset 26. Nakaya Gédéon. Juge 6, voilà. Juge 6, verset 25. Verset 25. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le tombeau de ton père, le second, celui qui a 7 ans, celui qui est important ici, démolis l'autel de Baal, qui est posé ton père, et coupe le poteau sacré dressé à côté. Verset 26. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Amen. Amen. En fait, la foi en Dieu n'a qu'à Gédéon, parce que Gédéon, en hébreu, veut dire celui qui a pas. Donc, nous faisons coupe en fait. Donc, c'est quand même le nom de Gédéon. C'est pour cela que vous allez comprendre que. Bah, tout le monde, c'est la Bible, mais comment la parole, ça lié à la mission à la. C'est pour ça que Dieu, quand il change un homme, ça comment en fait. Et ça prend une mission en fait. Jacob. Jacob, qui est devenu Israël, pourquoi qu'il s'est fait dire, mouton à Bourdina, ça vient à Longi. C'est-à-dire à Longi, donc, à Jean-Amour, il y a la Bourdina, à Longi en fait. D'ailleurs, c'est important. Comment est-ce qu'il y a la mission à en fait. C'est pour cela que j'ai les Juifs, par exemple, les mêmes qui font la mission, l'Afrique, partout dans la toile, il y a des pénales, des choses spirituelles. Parce que ça commence par la parole. Parce que comment est-ce qu'il y a la destinée dans l'eau en fait? Yes. Quand on ne pense pas, comment parler quelque chose en fait? Comment est-ce qu'il y a lié directement? Prophétiser dans le monde. Parce que comment est-ce qu'il y a lié en fait? C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il est là à comment? À Moïse, à Jésus, à Nazareth. Donc il est toujours en fait. Dieu en fait, ce n'est pas un nom. Et en fait, il a dit ensemble en fait. Il est toujours, il restera toujours. Il y a moins de temps pour ça qu'il y a ensemble, il y a d'autres qui sont. Parce que, comment est-ce que Jova Rafa, c'est qu'il aspire à Jésus, parce qu'Azali, il peut guérir pour voyer un tout cela. Vous voyez donc, le nom est très important, c'est sûr que pour signifier, mission à Gédéon à Sakina, parce que comme on a dit, c'est lui qui a pas. Et on voit là, la verset de l'Oro dans la justice, démolir l'hôtel de Baal, parce que mission c'est qu'on démolit en fait l'hôtel de Baal, parce que Baal est un dieu en fait. Alors nous sommes. Comment? Mais différemment ensemble, non, le véritable Dieu. Parce que la guerre, il y a un exemple. C'est aussi avec le cas de David avec Goliath. Donc, les Dieu d'Israël, Dieu de Philistins, d'Agon, vous voyez. Voilà comment il y a la divinité en ensemble. Donc, je n'ai pas compris, mais pour sauver les enfants d'Israël des mains de Madianites, il fallait démolir au bien de la mal. Voyez, donc, quand nous avons la foi, ça nous permet de passer les difficultés, de briser les murailles, de remonter en fait, bah, tout cela en fait. C'est ça même la foi. Il y a la vie par la foi, Gédéon, on va rappeler ce matin, verset 27, Hébreu 11, Gédéon, chante comment? Excusez-moi, Hébreu 11, verset 32, voilà. Quel village encore le temps me manquerait pour parler de Gédéon par là? En fait, ça va. On tient la vie pour être prêt à souligner quand la vie fait Gédéon, Barak, mais sous la voix dans l'Ancien Testament, Gédéon, l'entre-là, qui est un héros de la foi, Bateau peut aussi identifier la maman en fait. Bateau peut avoir l'image de la vie, parce que maman est son nom qui m'a à Christ et Jésus. Or, Christ et Jésus est en nous. Donc nous sommes comme les petits Jésus, les petits Christ, parce qu'ils sont en nous en fait. Donc nous devons s'inspirer à l'héros de la foi. Là. Amen. Amen. Donnez-moi encore quelques minutes, 10 minutes, 10 minutes, nous allons conclure. Et puis, nous devons comprendre encore par rapport à la foi, et que quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, vous allez lire avec moi Matthieu, chapitre 17, verset 20, parce que la parole de Dieu est très importante. C'est pour cela on ne peut même pas prêcher sans pour autant lire la parole de Dieu. Amen. Parce que la source de la connaissance, c'est la parole de Dieu. Même la source de notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons, nous devons lire beaucoup la parole de Dieu pour que source de la foi, la mission, fondation de la foi, la source dans la casse. Quand nous allons prier maintenant, Dieu s'identifie par notre prière. À la fin, nous allons dire Amen, Amen, voilà, et nous, Amen, la foi, c'est la vérité, c'est la foi, et puis les animaux. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, Jésus lui a répondu, parce que vous savez trop peu. Et je vais commencer par les versets 19. Matthieu 17, verset 19. Les seigneurs s'approchèrent alors de Jésus
Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, en particulier lui demandèrent pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Jésus lui a répondu, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous déclare la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Amen. 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 La foi, en fait, nous amène à réaliser des choses qui sont impossibles. Amen. Yes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Pour que rien ne soit impossible à Dieu, il faut que toi utilises ton humanité sur notre foi. C'est par la foi que tu retiens ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire, le mot est fort. Tu retiens ensemble, c'est-à-dire que, quand je dis que tu retiens ensemble, c'est-à-dire que Dieu s'identifie par rapport à notre foi, qui est sa parole, en fait. Dieu est dans sa parole, en fait. Et qu'on pousse ensemble maintenant à réaliser. Parce que c'est le truc par sa parole. Vous voyez. Donc, il s'agit de la discipline au Maroc, en fait, des mots à la moindre, c'est qu'il y a un peu de mal la discipline au Maroc, si vous avez même la foi, petit, comme un grain de céréales, la raison pour laquelle les montagnes, c'est-à-dire que. Quand les montants des amis, les amis, c'est le plus pesqué que les grains. Pour moi, il y a les pieds pour le l'alliance. Donc, pas de cible, pas de cible. Donc, quand on a Jésus, même quand il y a un cœur, il y a un cœur. Donc, Vous voyez. Donc, même par les miracles, tout ça, le miracle, parce que nous tous avons le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter même des morts, parce que Christ est à nous. Mais, des fois, tout est sous-estimé en fait. Ok. Donc, on va voir. Même la foi, ça devrait être guère de l'hôpital. Donc, on va nous tirer même, microscope, ton macaré en haut. Parce qu'on se sous-estime, en fait. Parce que tu évites autre chose. Ok, nous sommes Dieu, c'est Christ est à nous. Christ est à nous, les gens de la croix. Vous voyez? Donc, quand nous avons la foi, comme les grains de s'élever, oh, le ministre va manquer, qui a beaucoup mal, parmi les amants, nous, on va pas mal à l'américain. Donc, cette fois-là, elle est manquée. Ce qui passe à la maman, on guérit, en fait. Ok, la foi c'est aussi quelque chose, nous au départ, la foi, ça prend d'abord par la croyance. Amen. Les grains de s'élever, regardez les amis, il y a d'abord le renom et en haut en fait. Parce que depuis le début, il faut comment nous aider. Vous voyez, parce que nous aider, on a sur la connaissance, la vie sur le domaine de la foi. Donc, grâce à parce que le moment, c'est un mot, on a un moment, on a été, non, il faut qu'on l'on en haut en fait, pour le mot. Vous voyez, donc, les grains de s'élever, on a. Ceux qui t'ont l'on dit à mort, disent d'abord dans le corps, parce qu'on boum, en fait. Fais comme un boum, ça dit, et combien en fait, ils étaient. Donc, on parle en Matthieu, chapitre 13, verset 31, pour expliquer essentiellement, il y a verset 1. Donc, on sait la liaison entre les mots, on sort en Matthieu, chapitre 17, verset 20, là, Matthieu, chapitre 13, verset 31. Nous lisons, Jésus raconta une autre parabole. Les royaumes des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, dit notre Loba. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les arbres du jardin, de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire les nids dans ses branches. Amen. 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 Donc nous comprenons que quand nous sommes dans la vie, quelque part, quand nous sommes c'est là, par la parole de Dieu, bien sûr, c'est la parole de Dieu, on va dans la. Si tu reprends la contaminée en fait, les grains ont la contaminée et on combien en fait, et on ils étaient. Et on ils étaient en même en fait, pour le transcendé. Et donc, on a dit une pierre et cogne en fait. Si il n'y a pas oiseau du ciel, c'est-à-dire que, et là, c'est un mais je dis que l'autre ça, en d'autres la parabole, c'est-à-dire que, Batinos, on a fait un puissant en fait. Au moins, il y a, moi, si moi, on va dire, moi, à quoi ils se contaminent, en fait, tout le monde vient là, maintenant, s'attacher des doigts. Par oiseau, après, quoi, on va ils étaient. Nous étions en train de sortir un dernier moment. Ouais. Donc la foi nous permet à ça. Donc nous avons dit aussi dans le soir que ça va faire Romains chapitre 10, verset 17. Voilà. La foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, et c'est la parole du Christ. Nous avons déjà dit cela. Amen. Amen.
Et puis ce qui est important pour conclure, je pense que le temps est presque à la fin, ça nous reste en fait les deux versets. Si nous lisons à Habacuc chapitre 2, verset 4, nous sommes venus verset 1, on va voir que le juste est vu par sa foi. Ici, mon souvenir, on dit par sa foi. C'est-à-dire que, comme il m'en a eu en fait, pourquoi? Parce que le juste est vivant par sa foi. C'est-à-dire que par la foi, il y a pas héros de la foi, tout ça va prendre. Pour que Dieu nous déclare le juste, il faut nous en avoir le vivant. Quand il m'a dit, il y a plus son mot, c'est-à-dire que ton intérêt déjà, ton mot, c'est qu'on nous a la carte de la parole de Dieu, combien il déjà la carte de la il y a un moment que Jésus dit, avant, à guérir ou toi, alors, parce que, veux-tu être guéri, on dit, qu'on dit ça. A dit, oui, après, Jésus a sali, a guéri. Après, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi, en fait, t'a sauvé. Parce que, ce qu'on a au matin, Dieu, je dirais, Dieu est incapable en fait. Bien que Dieu n'est pas incapable de vous faire. Vous comprenez, on est dans l'autre. Donc, ce qu'on a au niveau, il faut maintenant accepter pas yes, le pas nous en fait. Parce que pour que yes, vous allez remarquer que pour que chaque minute d'un temps, en ordre toujours, veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri. Ta foi t'a sauvé. Voyez, donc, on va vous dire quand vous parlez de la chose, les chutes ne vont pas à sa foi. Donc, on dit, maintenant, on est au bout de là. La parole est dit en toi, on pense qu'on dit manayo, quand on va guérir, ta foi en fait va te sauver. Parce que, on est Christ en fait, on est Nzambe en fait, on t'appelle la casse à nous. Sauf comme les amis, qu'on dit manayo en fait. Parce que tu es le temple de Dieu. Amen. Amen. Et puis, on comprend les sources sur Ephésiens 6, extrapolé dans les fils, Ephésiens chapitre 6, verset 7. La foi aussi est comme une âme spirituelle. Et ça, ah, mais moi, sur le fait qu'il faisait ce précis, on l'a qu'il et empêchant en fait la flèche, il y a venu à terre. La foi est comme un bouclier. Il y a le mot de mon barré, ma flèche, il y a diable. La foi, c'est comme une âme spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la foi est comme aussi un dos spirituel. Et ça, le dos spirituel, c'est dit que ça n'a pas du bon. Saint-Esprit, c'est comme grâce par la foi, mon corps exceptionnel. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui fait cette grâce-là. Mais il faut toujours l'aspirer aussi à les prières. Bien sûr, Dieu nous fait grâce par là, mais si tu aspires à quelque chose, comme que l'on prend un temps, on peut se faire. Je cherche où trouver. Voyez. Donc, il y a des gens qui ont des dons, il y a un format exceptionnel en fait. C'est là, on peut dire, on peut dire, on même. Et le fruit de l'esprit. Voilà, exactement. Donc, la foi comme un don aussi spirituel, un conseil de l'église, c'est bien. Et puis, pour conclure, si nous lisons dans Jacques chapitre 2, verset 17 et verset 23 à 24, hein, c'est par là que nous allons conclure. Nous allons comprendre maintenant ce qui est le plus important corps dans la foi. Jacques chapitre 2, verset 17 et verset 20 à 24. Hein. Jacques chapitre 2, verset 17. Verset 17 et verset 20 à 24. Mais à l'heure, si vous avez le temps, vous pouvez lire Jacques chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à verset 26. Annonce la synthèse. Donc, Jacques chapitre 2, verset 17 et verset 20 à 24. Ici, on nous dit que il est ainsi, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle se manifeste pas par les actes, elle est une chose, des choses mortes. Amen. Parce que quand on dit la foi, ça comprend aussi par les actes. Amen. Donc, on va voir avec les héros de la foi, en fait. À chaque fois, il y a une salle de. Ils ont accompli l'obéissance, en pratique, mon. Tout le monde a fait la paix. Il a fait ça avec révélation. Il a pratiqué, en fait. Il a offert ma meilleure vie, il a eu. Pourquoi on a eu. Tout le monde a fait que. Avant, il a obéi, abandonné, famille, il a eu. Tout le monde est généreux. En début, pour démolir, il a eu. Il a papa, il a eu. Vous voyez. Donc, à sa vie, il a papa, il a non. Ici, c'est. Et là, il y a que c'est la vie ou la mort. Parce que si ton père est appelé le nom de ta famille, à la même foi, il y a et aussi ma terre. Quand il faut obéir à lui, en fait, il a démoli. Donc, la foi, ça, c'est des actes, des actes morts. Amen. Nous allons conclure par le verset 20 et le verset 24. Jacques 2. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Ah, on reprend. Ah, mais comment chaque azoroba, nous devons nous douter en fait, parce que nous avons dit, mais si on a accès à la montée, nous avons dit, en fait,
mais avec insensé. Donc, mon temps a insensé, pas mon temps dans mon livre, mais à autre moment, il s'en a dit. Je vais vous donner un salaté. Amen. Amen. Verset 21. Comment Abraham, voilà maintenant, comment Abraham, non concède, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? Vous voyez? Donc, la foi nous permet d'être juste par Dieu à cause de ses actes. Donc, il a obéi en fait. Il a abandonné parce que il a offert son fils Isaac sur l'autel. Vous voyez? Donc, il a offert, en fait, ami, pèse, moi, j'en ai même pas, moi, j'en ai la promesse, en divinité en fait. Donc, parce qu'il a cru en Dieu, même si Isaac a été sacrifié au pouvoir, mais Dieu est capable de le ressusciter. Vous voyez, parce que la foi est une action. Donc, c'est-à-dire qu'il a obéi, verset 22, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Vous voyez? Amen. Donc, quand tu as la foi, quand tu crois, donc, tes actes doivent s'agir. On doit s'accompagner ensemble, on est ensemble en fait. Amen. Donc on va pas dire qu'on a un divan, mais sans les actes, c'est impossible. Donc il faut avoir la foi et puis qu'on ait un message. Pour Emmanuel, nous continuons, et parce qu'il a offert son fils Isaac, voilà verset 22, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et sa foi est parvenue à perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Amen. Donc sa foi est arrivée à la perfection. Tant en ordre, la douceur que. Quand il y a une la croyance, dans mon cœur, dans le ciel, la perfection, c'est-à-dire que, et pas du moment, et combien en fait, donc la connaissance, parce qu'à quoi? Après, si nous avons Isaac, parce qu'avec que même sur Isaac a couvert, il est capable de le ressusciter. La foi, après, c'est ça, c'est arriver à la perfection, à la maturité, en fait. Donc, et combien, donc, et ça, il pourrait arriver, il y a un roc, en fait, c'est-à-dire qu'il pourrait être vraiment solide. Attends, on peut payer une ligne, et après, il s'en monte. Verset 23. Ainsi il s'est réalisé ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. Amen. Donc nous aussi nous sommes des amis de Dieu. En ayant la foi comme Abraham, donc ma camarade est ensemble en fait. Donc lui, en fait, parce que son pas ensemble de Dieu en fait. C'est-à-dire que bien sûr, pas ensemble, mais donc là, il faut qu'on souffre en fait aussi, camarade ensemble. Nous sommes devenus des amis de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Donc, Abraham n'était plus enfant de Dieu. Après, Mouniga, en fait, il y a un exemple. Parce que être ami de quelqu'un, c'est l'amour, c'est l'intimité, en fait. Donc, on dit, moi, quoi. Vous voyez, tu peux être enfant de quelqu'un. Vous avez même des comment. Par exemple, papa ne passe pas un ami, en fait. Mais là, moi, à Moscou, par exemple, dans le quartier, à quoi, papa a considéré, moi, dans le quartier, papa, même à ses enfants, comme son ami. Donc, parce que, c'est quand même le cas ici avec Dieu et Abraham. Voilà, Abraham est devenu ami de Dieu. Donc, la foi nous amène à devenir amis de Dieu. La foi, quand, et comme la maturité, ma casse, c'est comme ma amie, en ça, c'est-à-dire que nous sommes devenus époux et épouses. Donc, moi, ça mon bail. Moi, ça mon bail, c'est que bon moment. C'est pour cela que Christ et l'Église, c'est que bon moment. Parce que, exactement, lié ma casse, par les pas, c'est notre qui la foi, c'est les pas, c'est les traités, en fait, quand ils sont liés, ils sont. La part de moi, je vais vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous laisser s'il vous plaît. Nous allons faire une prière. Nous allons la parole de Dieu. Nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Éternel. Que nous soyons Père de gloire, car tu es notre circonstance. Merci pour ce moment, si tu as de gloire. Nous Père, que tu nous as parlé de la foi. Merci parce que tu as la foi qui est une ferme assurance des choses. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton inspiration. Merci, Papa, de nous conduire dans la profondeur de ta parole. Alors, Seigneur, Père de gloire, que cette parole, Seigneur, est cohérente. Ma belle école, c'est la vérité. Ma belle école, c'est la vérité. Ma belle école, c'est la vérité. Et cette parole est contre la casse à Dieu, Seigneur. Nous puissions des voix, Seigneur. École contre moi. Oh, les amis, dîmes, n'ayons pas de la bonne volonté. Cette parole sur la foi, Seigneur. École, les amis, sur les sous, Seigneur, la vie de Banaïo, Seigneur. Afin que tant qu'on ressemble à la Seigneur, quand nous allons dire Amen, et ça appelle à l'amour. Parce que nous sommes liés à ta parole. Seigneur, donne à ton peuple les yeux pour voir les merveilles de ta parole et les oreilles pour écouter. Non pas seulement pour écouter et obéir, mais pour mettre cela en pratique. Et surtout un cœur pour comprendre, Seigneur. Car
tu demeures dans le cœur, Christ. Merci pour ta parole, merci pour ce monde-ci. Nous bénissons ton Église, Seigneur, que la paix soit là. En chacun de nous, Seigneur, sois loué, sois béni. Nous disons tous, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie, pasteur, à partir de